told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So far it's shaking for my own. You said just keep holding on. If you're about to break, oh. Salut les copains. Bon, c'est bientôt le week-end, on attend du monde. Un gros week-end, dimanche anniversaire de Julia, tout ça. Et en fait, on pensait avoir eu un petit problème avec la machine à laver, parce que je trouvais qu'elle tremblait vachement quand elle essorait. Donc du coup, il y a un technicien qui est arrivé super vite hier. Enfin, hier on a appelé, ils sont venus aujourd'hui, donc en une journée. Donc super, franchement. Et bah apparemment, c'est normal, donc c'est parce qu'on n'est pas sur un plancher dur, vous savez, sur du béton. Donc bah, forcément, il y a des vibrations, on n'est pas aussi rigide qu'une dalle de béton. Donc du coup c'est normal, donc là je finis de la monter, du coup on l'avait pas montée. Je finis de la fixer, vous voyez, j'ai mis ma petite bride ici qui est prise dans les pieds, et puis je mets des vis, vous voyez, je vais y arriver. Voilà, donc là je fixe tout, je mets les équerres, normalement tout est ok, plan de travail, robinet, tout est fait, tout est préparé, il n'y a plus qu'à tout fixer. Et on a eu la visite de Patrick, vous savez, Patrick, l'homme au chapeau de paille, qui a fait toute la carrosserie au Gaulois. Il devait venir nous dire bonjour, ouais, pas de souci, viens nous dire bonjour. Puis il a vu le bus, il a dit, t'as vu, t'as des soucis de carrosserie, ouais, je sais, faut que je le fasse, bah si tu veux, je te le fais et tout. Oh bah c'est adorable. Et là, il est en train de travailler sous la pluie, le pauvre, parce qu'il fait un sale temps. Je vais aller vous faire voir ce qu'il est en train de faire avant, et vous verrez après, comme ça. Et bon bah ça encore, voilà, encore un super grand service qu'il est en train de nous rendre. Donc je vais vous faire voir tout ça, et puis on se retrouve après pour la suite, hein, ok. Allez, on va dehors. Voilà Patrick, l'homme au chapeau de paille. Moi je l'appelle Pastic. Patrick, le roi du mastic. Voilà, on va vous faire voir le avant. Donc ça c'est avant, il a tout poncé, tout décapé, il a mis la tôle à nu. Et puis ben, il va mastiquer, hein. Ça, il n'y a pas trop le choix. Moi j'avais essayé de le redresser de l'intérieur, mais il y avait une double tôle, donc c'était pas évident. J'avais fait des trous aux forêts, et puis j'avais essayé de redresser comme on pouvait, quoi, mais c'est pas évident. Et voilà, donc il est en train de refaire tout ça. Et on verra ce que ça va donner. Je peux fermer la soute là? Ouais, vas-y, ferme-la, je vais m'en arranger après. Hop, il a poncé un petit peu aussi ici. Là, on va voir ce qu'on va faire, c'est un tout petit peu tordu. Et après, ça va, hein, la carrosserie, t'as vu? C'est pas non plus super, super grave. Hein. Bah, tu veux pas rentrer, il pleut là. Bon, pour l'instant, c'est bon. Là. Ah ouais? Bon, bah comme tu veux, moi je me rentre. Ça fait pas à tout à l'heure! Allez, regardez, je vais vous faire voir un peu mieux. Donc là, j'ai fait une bride, j'ai fait des trous pour coincer les pieds en caoutchouc dedans, vous voyez. Et ensuite, je vais mettre des vis. Tac, 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 tac. Ici, j'ai mis du joint. J'ai mis deux épaisseurs de joint. C'est un Saint-Joint qui gonfle, en fait. Ça va éviter les... Vous voyez, ça va éviter les vibrations. C'est un joint comme ça. D'ailleurs, j'arrive plus à en trouver. On m'avait filé ça, je l'avais gardé. Il est super vieux. Et il est super bien joint, là. Et j'arrive plus à en trouver parce que c'est des magasins spéciaux, ça. Du coup, on peut pas trop en trouver, nous. Et donc je vais en mettre aussi sur le dessus, je vais mettre deux lignes et sur les côtés, comme ça la machine sera entièrement anti-vibration, voilà, plus ou moins on va atténuer les vibrations, ça évitera que ça tape et que ça cogne contre les meubles, il y aura un petit espace, un petit vide. Voilà, il me reste aussi à coller une plaque ici, je colle une grande plaque de bois, du bois blanc, hop, et je la colle à PU, une fois que c'est collé, je vais mettre des équerres, ça évite de faire des trous dans le frigo, comme ça le frigo sera fixé aussi, machine à laver sera fixée, et il ne reste plus que les meubles aussi fixés, avec des grandes équerres. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé, Jérém, comment tu fais pour fixer tes meubles dans le bus? Alors je prends des équerres comme ça que j'ai trouvé au rayon équerre. Et je les visse comme ça, tu peux faire un celle-là. Je les visse comme ça, donc j'en mets deux en bas et deux en haut. Ça fait quatre par meuble, absolument. Et en fait, là je vais mettre deux vis et un rivet. Parce que comme j'ai un contreplaqué de 5 mm, c'est pas ce qu'il y a de plus costaud si on met des vis dedans. Je mets un rivet vraiment pour la sécurité, un rivet qui s'éclate pour éviter que qu'on aura plus de résistance. Donc ça fait 4 équerres par meuble et en plus je perce les pieds là, enfin les pieds chouchou. Je perce les pieds comme ça et je rentre une grande vis en travers. Je peux vous dire qu'avec ça, ça bouge pas. Vous pouvez sauter des bosses et dodanes, il n'y a rien qui bouge. Donc voilà, le plancher ça va, il est costaud, c'est 15 mm.
Mais voilà, je mets un petit rivet de sécurité. Et je fais ça sur tous les meubles aussi. On pourrait mettre, mais je les mets pas. Vous savez, les plaques en isorelle au fond qui cachent, en fait, qui ferment le meuble. On nous l'a demandé ce matin. Ouais, ça, je les mets pas, c'est exprès. Parce que j'ai des prises, et si il faut que je vienne bricoler un tuyau, je l'avais fait sur Flash. Et j'avais eu un truc avec le siphon, et il fallait que j'aille derrière. Oh, t'avais dû tout arracher et tout. Ouais. Ça m'avait énervé. Et donc là, il y a les tiroirs, donc ça se voit pas. Ensuite, il y a juste ici où ça se voit parce que c'est une porte. Donc peut-être que là, je mettrais juste un demi, vous savez, pour éviter que les choses tombent. Mais voilà, sinon, on n'en met pas. Non, non, c'est pas une maison. Hein. Voilà, il y a des choses à voir derrière. On peut pas mettre un truc qui cache tout, c'est pas possible. On va voir aussi la question, je pense, comment tu vas fixer la machine à laver et le frigo. La machine à laver, j'ai expliqué juste avant. T'as expliqué, d'accord. Et du coup, le balatum, pourquoi tu ne fais pas le balatum avant? Bah parce que déjà, quand vous mettez un balatum avant, c'est la merde à faire glisser les meubles, parce que le balatum, souvent, il s'arrache avec les pieds. Je sais pas, puis après, ça s'écrase sur le balatum, c'est pas précis. Et s'il faut refaire le balatum, on fait comment un jour? On redémonte tous les meubles? Moi, non, je l'ai fait sur Flash. Donc, on avait fait, comme j'ai expliqué, on l'a fait sur Flash, c'était une vraie galère. Voilà, on l'a fait sur Flash, c'était galère. Du coup, voilà. Donc là, en fait, on va vraiment... Avec l'expérience, on le fait après. Tout, voilà, on pose tout. Et ensuite, on va faire venir mourir... J'aime bien ce mot-là, Charlotte. On va faire venir mourir le balatum, peut-être 10 cm sous les meubles. Vous voyez, voilà, on va faire des découpes pour les pieds. Et après, il y aura des plaques qui vont venir cacher ici. Et puis, ça sera super propre. Et ensuite, il y a certaines... Vous verrez même pas qu'il a été posé après. Ouais, il y aura certaines découpes qu'il faudra faire pour les trames. Donc là, le balatum sera collé, bien collé à la néoprène sur la plaque. Ouais. Et on n'aura plus qu'à lever la plaque pour pouvoir accéder au moteur et puis au tuyau qu'il y a dans le bus. D'ailleurs, tu as montré le balatum que j'ai posé? Non. Toute seule, je l'ai fait. Bah vas-y, va faire voir ça et moi je continue. Allez. Tout ça, ça peut sortir tout seul. Donc voilà, on arrive à la salle de bain. Donc j'ai tout fait toute seule. Bon, c'était pas bien compliqué, je suis contente. Un petit coup. Voilà, j'ai fait toutes mes découpes et tout. On m'a dit là-bas, oh, faut que tu caches tes tuyaux et tout, machin, ceci, cela. Mais en fait, on va pas les cacher, puisque là, je vais installer. Il est où mon doigt? Ici, je vais installer la petite réglette tout au long et je vais faire des portes comme notre chambre. Donc, franchement, les tuyaux, ils seront cachés. Et perso, voilà, s'ils sont voyants, nous, on s'en fiche un peu. Donc, voilà pour la salle de bain. Et on a mis le même. On a mis le même dans les toilettes. Vous voyez, ça habille bien. Hein. C'est top. Hein. Là, il faut que je fabrique aussi le meuble qui viendra se coller en haut. Oh, t'as fini. Et j'ai installé les petites baguettes ici, là. Pour finir un petit peu, on trouve assez sympa. Vous voyez, sur la porte des toilettes ici. Ici. Je suis enfin... de fixer ce côté-là, vous voyez comment ça bouge. Et après, du costaud, hein, je peux vous dire. Ce côté-là, ça y est, c'est fini. J'ai plus que le frigo voilà, fixé, mais ça, je le ferai tout à l'heure tranquillement. Et voilà, donc là, vous voyez, je mets une petite plaque en alu de chaque côté. C'est de l'alu isolant, en fait. Hein. Il y avait plus fin et plus flexible. Moi, j'ai pris carrément les petits panneaux. Voilà, au moins, je suis sûr que ça isole vraiment la gazinière des meubles. Et j'en mets un de chaque côté. Pour protéger chaque meuble, on sait jamais. Et j'en ai mis un derrière aussi. Et la gazinière, je l'ai reculée de 5-6 cm pour qu'elle soit calée avec les meubles, en fait, vous voyez, pour qu'elle soit du même niveau. Et ce qui fait que bah, ça va éviter que ça chauffe de trop la fenêtre, en fait. Ça y est, c'est fini. Je suis trop content. Voilà, la table, le plan de travail est fixé. Du costaud aussi, gazinière fixée, voilà. Et je me suis laissé un petit espace parce que je vais venir coller un petit rail en alu. Et ça fera fini. Voilà, je voulais vous faire voir combien on avait en espace intérieur entre les meubles. Ouais, le couloir, quoi. Oh là là, je vais y arriver. On a 1 mètre, ouais. À l'endroit le plus étroit. Parce que si on prend gazinière, on a 1 mètre 2. 1 mètre 02. Putain, c'est un truc de dingue. Et t'imagines que le pire, imaginez ça bien, c'est que le pire, c'est qu'on a laissé de l'espace pour les tuyaux de chauffage. J'ai laissé 6 cm. De chaque côté. 5 cm. De chaque côté. De chaque côté. On aurait eu 1 mètre 10, voilà, pardon. On n'aurait pas eu tout ça. Oh merde, là j'ai 4 et là j'ai 5. Ah, je vais défoncer. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise?
C'est pour ça que j'ai un petit décalage. Ah bah ça, je vais le refaire. Hein. Bah je c'est peux clair. Pas rester bah... avec 1 cm. Puis bah, je vais donc, pas te laisser ça comme ça. J'ai 4 cm en haut, mais voilà, le meuble, j'aurais pu le coller encore de 5-6 cm. Vous imaginez, on aurait pu se retrouver avec pas loin d'un mètre 10. Mais là, c'est énorme. On a le chauffage qui va sortir ici par l'intermédiaire de petites grilles. Ah, oh, j'ai fait une connerie. J'ai oublié de visser mes tasseaux en bois. Faut que je redémonte tout. T'as fait vraiment de la merde. Les bras m'en tombent. Et en fait, voilà, si vous regardez bien, à côté de ce plan de travail rempli de bordel. Bah c'est normal, attends. Ou alors je mets celle-là, vous voyez, que je fixe avec des petites vis. Ou alors j'ai ça, que je découpe sur mesure. Je pense que je vais prendre celle-là parce qu'elle laissera mieux passer la chaleur. Voilà, donc toute l'air chaud va sortir par ici et on aura une diffusion de chaleur. Et pareil pour les canapes. Ça va être bien. Sur le canapé, on est bien. À quoi bon sortir se foutre là ? On n'a plus jamais comme hier. Désolé pour hier soir. Je finis à l'envers. La tête dans le cul qui l'embrouille. Les gars, désolé pour hier. Salut, salut. Regardez qui c'est qui sont arrivés hier à minuit là. Enfin, quasiment. Fun Family. Jérôme, il galère avec son chauffe-eau là. C'est un combi. Vous savez, les chauffe-eau combi. Et... Il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est la merde. Juste avant de partir en vacances, ça tombe bien. Et puis bon, on va aller voir. Patrick, le roi du mastic, regardez comment il a bien avancé sur le car. Déjà, il a repris la petite. Ici, là. Oh, c'est joli. Au toucher, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Regardez. C'est la première fois qu'il est décoré. Ouais, les lits sont quasiment faits. Tu aimes bien ? C'est à toi celui-là ? De toute façon, on sait pas. Théo, Lucie. Non, on sait pas encore. Alors, tu les aimes bien, les lits ? C'est les chaussures. Ils sont trop bien ? Est-ce qu'ils sont trop bien ? Tu vas essayer ? Oh, Julia va bien dormir là, je le sens.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fabrique les lits. Voilà, c'est fini. C'est bon, ça filme. Vous savez quoi, ce matin, Laetitia, elle arrive, elle fait « C'est MLM, c'est MLM !» Regardez, ça, c'est les chambres. Tu bosses un peu, quand même. Un tasseau en bas, un tasseau au fond. Donc, j'ai mis 82 de large, parce que les lattes, elles font 80, comme ça, ils auront un petit peu de marge avec le matelas, ça va éviter que le matelas soit trop tassé. Je vais y arriver. Et voilà ce que ça donne. Donc, je pense que là, je vais faire des petits trous avec une vis et une petite rondelle. Parce que sinon, j'ai peur que ça bouge, en fait, vous voyez. J'ai peur que ça bouge de trop. Donc, j'hésite vraiment. Je vais réfléchir à tout ça. Je repose l'appareil sur le trépied et puis on déballe un matelas. Et on voit ce que ça donne, ok? A tout de suite. Déballage. You've been down this road for far too long. Là, on est dedans. Il y a un petit peu de flexibilité. Regardez. Un grand gaillard comme moi de 1m75. Il est pas mal? Non, déconne pas. J'ai pas fait les renforts, non. Ça veut dire quoi, ça? Bah, ça veut dire que 80 kg de plus, ça passera pas. Non, arrête! Ah, attends, ça va couper. Attends, on avait dit qu'on faisait pas de vidéos que sur YouTube. Chouchou. Voilà. Ils vont être bien, là. J'espère qu'ils vont gonfler, hein. Ça ne déconne pas. Parce qu'ils sont encore tapandés celui-là. Tu crois? Ouais. Bon, ben voilà. Alors, du coup, 82, est-ce que c'est bien? Parce qu'à la base, c'était ça. On a bien fait de faire 82, tu vois, ouais, regarde. Parce qu'après, t'as ta planche qui va venir là. On a l'impression qu'ils font un peu plus, ouais. Non. Ici, je mets des planches pour éviter que le lit tombe. Mais ces planches, vu qu'elles vont être vissées là, elles vont servir de renfort. Voilà, c'est un renfort spécial. C'est trop cool. Allez, moi je vous laisse. Je vais finir les lits. On a fait ressortir le système d'ouverture de la porte arrière, d'accord? Et on cherchait un petit bouton à mettre pour que ce soit plus facile. Du coup, j'ai pensé à un Playmobil. Mais le problème, c'est qu'il faut enfoncer dedans par le... Par derrière. Ça fait un peu gore. Non, vas-y, si vous avez trouvé des idées, ramenez. Non, mais tu crois pas que je vais mettre mon beau porte-clé vadrouilleur pour tirer le truc, toi? Ah, le bonhomme rouge. Ça aurait pas été bête. L'anneau est une solution, tu vois. Une idée en apporte une autre. Et regarde l'Iron Man. Ouais. Non, mais l'Iron Man, il va casser. Allez. Il va casser, lui. Mais non, si tu l'accroches par sa petite corde. Ouais, mais le problème, c'est qu'on fait un trou ici. Et il va taper. Il faudrait qu'il soit fixe, en fait. Tu comprends? Ça aurait pas été bête non plus. Hein. Il aurait fallu nous faire un bouton à l'imprimante 3D. Et si on met juste un anneau, on tire l'anneau? Non? Faut que j'essaye, hein. Ouais, c'est nul, après. Voilà. Mais on trouvera bien un petit truc à mettre, un de ces quatre. Hein. On tombera sur quelqu'un qui a une imprimante 3D sur la route, il dit « Ah, oh, tiens, vas-y, j'ai... » Par contre, quand tu vas relever ta planche, ça va pas gêner. Voilà, ça s'ouvre. C'est cool, hein. J'ai eu peur, hein. Non, mais imagine que tu serais vraiment tombé. Hein? Quoi? Quand tu vas relever ta planche. On fait un trou dans la planche. Comme ça, quand on relève la planche, c'est nickel. Et ben, ce petit anneau, c'est pas trop moche. Vous en pensez quoi? Provisoirement. Provisoirement. Bah, t'as qu'à trouver mieux. Ouais. C'est facile, hein. Tu vois, ton fils, il a des bonnes idées. Et ben ouais. Donc, Théo, c'était une très bonne idée. Moi, ça me va. Et toi, ça te va, chouchou? Franchement, regarde. Un anneau de porte-clés. Ouais, ça peut être pas mal. En attendant, bon, trouver mieux. C'est pratique, ouais. Et ça évite d'enfoncer le Playmobil par le... Par le...
Voilà. Derrière. Parce que le pauvre, il va finir sa vie là, il va tirer sur sa tête sans arrêt pour ouvrir la porte. Il mérite mieux, je crois. Bon, bah c'est bon, du coup, allez, provisoirement, on va mettre ça et dans 2 ans, je pense que ça sera encore là. Moi, si ça tient que c'est costaud, ça me va. Allez, hop, vendu, vendu. Ouais, vendu. Allez, hop, c'est bon, vendu, stop. Allez, vendu. Salut les copains. Hey, coucou tout le monde. On va chercher du bois parce qu'on est déjà en train de construire le canap. Les canapes. Ouais. Jérôme, il va faire les meubles ou on va faire à deux les meubles. On va faire les petits meubles de rangement qui vont sous le lit. On fait sur mesure pour ranger les fringues et pour ranger les habits. Et là, on va chercher des tasseaux pour faire toute la structure pour le canapé. Et ça sera fait en contreplaqué de 1 cm. Et comme l'armoire était pleine de bordel, du coup, on a mis ça sur le... Enfin, au-dessus, quoi, sur le toit, sans galerie. À l'arrache. À l'arrache, c'est lui qui a eu l'idée. Je suis pas responsable. En même temps, il y avait pas de choix. Donc, comment on va faire pour sangler et après rentrer dans la voiture? Bah, c'est ça, pour ouvrir la fenêtre et puis on va passer par les fenêtres, nous. Même pas, on ouvre la voiture comme ça. Tu pourras plus, ça sera sanglé. Bah, c'est pas grave, après tes sangles, ça s'écrase. Tu fermes la porte. Non, mais c'est des sangles de camion que j'ai. La porte, elle va pas fermer dessus. Hein. Dessus. Non mais on sangle par-dessus le montant, on joueurs, laisse le carreau ouvert. S'écrase. On laisse le carreau ouvert. Et on sort comment? Par la fenêtre. Hein? Si t'es un bandit. Oh, si tu veux. T'es un bandit. Je suis plus os après. Et on a commandé. Ah non, t'as pas commandé ton chauffe-eau. Pas encore, non. Pas voilà, vous savez qu'il y a eu une galère après. Avec son chauffe-eau, il va le commander après, on a appelé et tout, donc on peut l'avoir mercredi matin. Ouais. Mais bon, voilà. 2000 balles. Ça c'est le truc qui est un peu chiant. Tant pis. Ouais, tant pis. Bon allez, on se met au boulot, à tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Voilà, c'est bon là. Nickel. On est bien là. Même pas besoin de galerie, même pas besoin de remorque, en fait, ça le fait bien. On a mis des petites moquettes en dessous pour protéger. Voilà, impeccable. Allez hop, en route. C'est bon? Ça filme? Ça filme. Bon, on se retrouve en voiture. On se retrouve en voiture. Et en fait, il y a un bandit hier sur le live qui pouvait réparer le chauffe-eau à Jérôme et Laetitia. Ouais. Et comme il était à Amiens, il voulait pas refaire la route, enfin normal et tout. Et en fait, il nous a dégoté une petite annonce sur le bon coin. Ouais. Et franchement, trop bien. Sur Facebook Place. Sur Facebook, sur Marketplace. Ouais, sur Marketplace. Et là, on y va. On a 1h30 de route pour y aller. Apparemment, il fonctionne. C'est le même que lui, mais en plus puissant. Ouais. Et 150 euros, quoi. 150 euros. 150 euros, il y a 2000. Et apparemment, il fonctionne. Donc là c'était trop tentant, j'ai dit vas-y je t'emmène copain, c'est pas grave. Y a pas photo. On se mettra un peu plus sur les meubles et tout à l'heure, on fera ça, voilà. Et on a encore des amis qui arrivent en plus tout à l'heure, au pire il nous donnera la main. Là c'était vraiment une affaire à pas louper. Ouais, faut pas louper. Donc là on se dépêche, on fonce sur Beaupréoz à côté de Cholet. Et on se retrouve après, on va vous dire si le chauffe-eau est en bon état, puis après on l'essaiera dans le poker. Ouais, c'est un coup de poker, hein, mais pour 150 euros, il fallait qu'on prenne le risque. Grâce aux abonnés, ouais. Merci les bandits, merci les abonnés. Heureusement que vous êtes là. Alors, il y a des fois, vous nous sauvez la vie, hein. Franchement. Oh là voilà. Là. On va voir, mais je sens que ça va bien se passer, je sens qu'on va y arriver, je sens que ça va fonctionner. Ouais, ça va le faire. Ah, je le sens bien. Oh, je le sens bien. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. On est pareil. On est tous les deux, mon lapin. Ouais, on est tous les deux. Hein. Oh. Et là, on va mettre un petit peu plus de temps que prévu, hein. Oh là là! Choqué. Et il dit il pleut pas comme ça dans le nord. C'est pas choqué, c'est choqué. Et là tout à coup, 2 secondes après, soleil. Là, wow. Regardez, on roule sur du sec. Eh non, franchement, c'est vrai, on n'a pas fait de trucage. Gros nuage et. On n'a pas fait de trucage. Vous voyez? Et là, soleil. Oh la vache. Hallucinant. Il conduit. Voilà, il a trouvé son bonheur, Jérôme, il est content. C'est quasiment le même. Ah bah ouais, c'est quasiment même, un peu de chasse près. Ouais. Ouais. Donc ça, j'ai même pas moi servir en fait. Ouais, bon, on sait jamais, ouais. Ouais, c'est nickel. Bon bah nickel, allez, nous on se retape la route dans l'autre sens et go. Les températures descendent. Ça y est, nous on vient d'arriver. Voilà, on s'est fait un petit 4 heures de voiture. Ouais. Et on a les copains qui viennent d'arriver, on va vous faire voir ça. Oh là là, ils sont malades. Ah ouais.
carrément. Wow. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, filme ça. Toi, t'as dit, tiens, il y a un champ, il n'y a plus, je vais aller dedans. Ah ouais. Non, c'est mort. Ouais, je vous présente autour d'un monde. Ils sont plus à l'aise sur l'eau, sur un bateau que sur un camion, j'ai l'impression. On va trouver une solution. On va s'arranger, tout va bien se passer. On va accrocher le camping-car à Patrick, le vélo, sur ton vélo. On va les tirer. Ouais, là c'est chaud. Là c'est chaud patate. Ouais. Vas-y, tout droit, va là-bas. Va dans le chemin. Non, c'est bon. Oh putain. Attends. Vas-y. Ouais. Oh là 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 là, le bordel. C'est bon, on a réussi. Oh putain. Nickel. Chantier quand même. Ouais, c'est clair. Et en plus, c'est la paille, ça glisse la paille. Ouais. La vitesse de chantier. Nickel. Et vous avez nettoyé les pneus, comme ça, ça salit pas trop. Bon, allez, ouais, nickel. Partout. Bon, ben voilà, on a réussi à travailler un tout petit peu avec ce temps. Ouais, entre les averses. Du coup, on a été faire un tour de déchette. Et puis, ben, moi, je vais me remettre au boulot parce qu'il faut absolument que je fasse mes tiroirs. Et puis, ben voilà, tout le monde est ici, posé. Et autour d'un monde, normalement, ils ont vendu leur camion il n'y a pas longtemps. Et puis après, ils vont s'acheter un voilier. C'est pas cool, ça. C'est pas gentil du tout. On te fera visiter. Ouais, non, c'est pas cool. Moi, je rêve de ça. Puis ils vont en avoir un peut-être. Et puis, ils vont peut-être partir sur l'eau et tout. En plus, c'est un gros voilier en bois et tout. Jack Sparrow. Pas tout à fait en bois. Non, t'as pas dit qu'il était en bois? Si, il est en bois, mais il est résiné. En bois résiné. Et je suis en train d'apprendre plein de choses, la différence entre les ceci et cela. J'ai vu qu'il y avait, j'ai reconnu, hein, parce que ta femme, elle m'a dit ferro-ciment, je sais pas quoi. Ouais. Et ouais. J'ai vu une annonce d'un voilier parce que je regarde souvent et là, je dis. Ah, c'est ça, ferro-ciment? Ouais. Et en fait, c'est des bateaux en béton. C'est des bateaux en béton. C'est un truc de dingue. Je savais pas qu'on pouvait faire des bateaux en béton. Ouais, ça. Ah, ça va être... Regardez, vous allez voir, c'est hallucinant. C'est pas ce qu'il y a de mieux, apparemment. Non, c'est pas. Bah, c'est ouais, pas tu m'étonnes, c'est pas top. Bah, c'est pas comme top. Les maisons Phoenix, en fait, c'est pareil. Un peu, ouais. D'accord. Excusez-nous si vous avez des maisons Phoenix, on ne veut pas que c'est. Voilà. Jette pas la pierre. Non, jette pas la pierre. Enfin, là, pour le coup, c'est de la pierre. Non, mais c'est un truc de dingue. Moi, je pensais qu'il fallait des matériaux légers pour que ça flotte. Bah non, mais regarde un tanker, ça fait 180 000 tonnes un tanker. Ouais, c'est plate. Clair, putain, c'est dingue. En fait, c'est la portance dans l'eau en fait qui compte. Ouais. Que ce soit large. Donc, bah voilà, on va suivre tout ça. Ils ont une petite chaîne YouTube. Alors, après, je sais pas s'ils partageront. Vous verrez bien. On verra d'ici bon, on là. On va des photos, oui. Ouais, on va aller les voir. De toute façon, on va aller vous faire voir ça dès qu'ils ont leur bateau. Moi, direct, obligé à faire qu'on aille le voir. Ils vont faire tout le canal du Midi pour descendre. Jusqu'à un nouveau chantier pour le refaire, parce qu'il faut le retaper quoi. Bah ouais, et on vous montrera tout ça. Après, si eux le montrent pas, nous on vous montrera, on ira vous faire voir tout ça. Voilà. Allez, je vais finir mon bazar et puis je vais vous faire voir aussi Jérôme là. Parce que Jérôme, ça y est, il a monté le chauffe-eau et ça fonctionne. Il y a juste le chauffage qui fonctionne pas, il fonctionne toujours à fond. Donc il va voir ce que ça donne. Et voilà, donc voilà, ça c'est l'ancien, enfin le nouveau qui marche plus. Et là il y a le nouveau. Alors c'est bon, ça marche? C'est bon, tout fonctionne bien. Après un petit problème de régulation, ouais. Que je branche la sonde de température. On n'a pas retrouvé le branchement sur la carte mère de la sonde de température. Ouais. C'est pas tout à fait les mêmes cartes mères. J'ai regardé la vue éclatée sur internet. Ouais. Je peux trouver où ça se branche. J'ai mes deux fils qui arrivent, il faut juste que je sais où ça se branche. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Bon, bah au moins t'auras de l'eau chaude. Ouais. Hein? Il a même pas voulu prendre une douche dans Captain. Et merci les abonnés. Hein? Ouais, c'est vrai, merci à vous. C'est grâce à un bandit, hein, il me semble. Merci, hein. un grand merci, on le dit jamais assez, d'ailleurs, mais merci. Après. Ouais, on va l'appeler pour remercier quelqu'un d'Amiens, c'est ça? Un bandit d'Amiens. Ouais. Bon bah ça roule, allez, moi j'y retourne, il y a un rayon de soleil, je peux couper les planches. J'ai commencé à tracer, faut que je finisse de couper pour mes tiroirs. Allez, à tout à l'heure. Patrick, est-ce que tu as réussi à peindre? Non. Est-ce qu'il y a une averse toutes les 30 minutes? Voilà. T'as commencé à tout calfeutrer, c'est ça? Alors on verra ça demain s'il fait beau. Et demain, il va peindre normalement avec la centrale à basse pression. Que j'ai. On verra si ça marche bien. Faire la carrosserie, hein? Exactement, ouais. Voilà. Je ne partirai pas tant que le boulot ne soit pas fait. Ah bah, et si c'est s'il pleut jusqu'en décembre? Ah bah, je resterai jusqu'en décembre. Non, bah, ok, bah ça. Hein. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, dans la vidéo de jeudi. Normalement, la peinture sera finie et puis ben voilà. Normalement, demain, ça se calme. Donc, on n'a pas pressé les choses. Non. On a dit, ça sert à rien de presser. Demain, il fait bon, il y aura peut-être moins de vent et il pourra faire du bon boulot, Patrick. Ah bah, en tout cas, merci à toi. Tu es un sacré bandit.
Hein, je sais déjà que ça va être bien, je peux déjà te dire merci parce que tu m'as rendu un grand, grand, grand service parce que ça fait quand même 3-4 jours que tu es dessus. Et bah, c'est ce que j'aurais pas à faire. Et ça, c'est cool. Merci à toi, c'est sympa. Je t'en prie. Allez, à tout à l'heure. Hey, re-coucou à tous. Voilà, donc, alors, on va se quitter. C'est tout pour cette vidéo. On va se retrouver jeudi prochain pour une nouvelle vidéo où normalement, on fera canapé et on va commencer à s'activer vraiment pour que tout soit sûr pour Caligaz la semaine prochaine. On n'attend pas Charlotte. Voilà, le mastic est bientôt fini. Vous verrez ça jeudi aussi parce que là, on n'a pas pu peindre. Patrick, il n'a pas pu peindre comme j'expliquais tout à l'heure. Il y en a marre du sale temps. Je vais aller vous faire voir les lits qui sont finis. Et là, regardez, on est en train de faire des petits coffres. Bon, le... Ouais, non, mais c'est parce que là, il y a les serre-joints, le contreplaqué, c'est du 1 cm qu'on a acheté à Brico. Pff, vraiment Brico marché. Pas du tout de bonne qualité, vraiment déçu. Donc, bon, enfin bref, on a réussi à se débrouiller. Hein. Ça va que ça va être un peu caché. Les côtés moches, on va les mettre au fond. Ça va être les armoires des enfants. Voilà, ça, c'est les armoires. Donc, il y a une petite fente. En fait, on les tire et ça va être sur des rails, des cornières en PVC. Merci à Jérôme pour l'astuce, d'ailleurs. C'est super bien. Mmh. Ça évite de mettre des roulettes. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est fait. Ensuite, il reste les petits coffres à faire de l'autre côté où on rangera. Oui, rangeons les jouets. Et puis moi, demain, j'attaque les canapés. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Voilà. On vous fait des gros bisous et puis on se quitte en musique et puis je vous fais visiter les lits. Voilà. Bah, tu feras des gros bisous après? Non, je fais des gros bisous maintenant et je vous fais visiter après. Tu fais visiter mon petit truc ou quoi? Et en toute fin de vidéo, vous verrez ce que Charlotte a fabriqué de ses propres mains. Tout ça sur une belle musique chaleureuse et ambiance. Gros bisous. Gros bisous. À bientôt les bandits. Prenez soin de vous. Bye bye et à jeudi. Bisous. Restez connectés.